agréable, hein. Y a rien à voir à la Pommeraye de toute façon. Puis il paraît que la Pommeraye TV, on a juste ras-le-bol de la Pommeraye. Les copains, c'est la merde. Et tu sais quoi? Chacun sa merde. Même que je propose qu'on se barre, nous. Ouais. Allez, barre-nous. Non, déconnez pas, les gars, c'est sérieux, là. Je suis en manque d'inspiration. Oh non, ils sont passés où? Propose, c'est que... Et regarde. Ouais, on a oublié la Pomme TV. Par contre, il faudra peut-être qu'on renomme Pomme TV. Il faudrait qu'on change un peu. Genre, on va essayer... Non, mais vous êtes sérieux, là? Bah... Oui. Non, puis en fait, donc pour Web TV, alors le truc, l'idée, c'est qu'on va essayer de renommer dans un autre nom. Ça fait un peu soviétique Web TV. Ouais TV. Ouais TV. Ouais TV. Ouais TV. Alors attends, on va quand même prendre Saté la... Ouais, carrément, ouais, y a un truc à faire, là. On tient un scoop, là. Attends, Ryan. Et du coup, c'est pour ça qu'il m'a contacté, il m'a dit qu'il voulait faire des reportages. Parce que je peux pas, là, je suis en manque d'inspiration. Attends, Nicolas, tu veux me dire que tu nous as fait venir à Saint-Florent-le-Vieil pour ça? Je peux plus traîner à la Pommeraye, depuis que j'ai dit que la foire exposition servait à rien, les commerçants me font peur et j'ai l'impression que t'as des gens qui me suivent dans la rue. Je peux plus sortir comme avant. Bon, Nicolas, dis-nous exactement ce que tu veux. Une idée, je veux une idée. Attends, tu oui, pourrais... Oui, 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 tu pourrais... Oui. Non, 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 ça marchera pas. Non mais de toute façon, Nicolas, y a jamais rien à la Pommeraye. T'es un génie, mec. T'es un génie. Salut! On a fait quelque chose de bien là? Mais alors de quoi pouvons-nous parler? Ou plutôt de quoi ne pouvons-nous pas parler à la Pommeraye? Qu'est-ce qui manque concrètement à notre ville des Mauges? La réponse est peut-être juste ici, à Montjean. Et oui, une office de tourisme, la Pommeraye ne possède pas d'office de tourisme. Mais est-ce pour autant une preuve d'absence d'attraction touristique à la Pommeraye? On pourrait penser aisément que non, mais vous allez vous rendre compte que la réponse est plus nuancée que l'on imagine. Car si la Pommeraye offre peu de monuments touristiques, elle se trouve être le centre de gravité d'un grand nombre de touristes se rendant dans les Mauges. Le tourisme à la Pommeraye, c'est le premier sujet des dossiers Pommeraye TV. Lorsque l'on se penche un peu plus sur le sujet, nous nous rendons compte qu'un lieu en particulier attire des touristes, mais aussi des conférences ou des gros sportifs, les Jardins de l'Anjou. Cette structure installée sur le site du Vaujou propose un nombre important de services pour les touristes, mais aussi pour les personnes cherchant un logement rapide à la Pommeraye. Mais nous aurons le temps de revenir là-dessus. Avant cela, un petit historique s'impose. Et l'idée est donc née d'une association où il y avait un certain nombre de conseillers municipaux. Ils ont été visiter un village de vacances, je crois, dans le Cantal, qui était fait un peu sur le même principe. C'est-à-dire que le Cantal est peut-être un peu plus touristique que la Pommeraye, j'en sais rien, parce que je ne sais pas où c'est qu'ils avaient été. Mais enfin, ils se sont inspirés de cette idée d'un village de vacances en race campagne, pour créer ce village vacances qui, au point de départ, était quelque chose d'associatif. Voilà. Donc, basé sur le fait d'accueillir des familles pendant les vacances. Il me semble qu'il y avait à l'époque des comités d'entreprise qui avaient apporté aussi de l'argent pour que justement leurs salariés puissent venir en vacances ici. Il a été imaginé, parallèlement à ça, de développer le complexe sportif, qui n'était pas à l'époque un complexe sportif, hein. Il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui le terrain B, mais il a été décidé de refaire un terrain un peu plus important, qui est aujourd'hui le terrain A. Et puis, c'est coller dessus une piste synthétique. Et là, je peux dire qu'il n'y en avait quand même pas 50 en France à l'époque. Et puis, de mettre de l'éclairage dessus. Et de faire venir ainsi des sportifs, des sportifs locaux, il y en
en a eu, mais derrière il y a eu des sportifs de haut niveau, avec le record du monde de Thierry Villon, le record du monde du saut à la perche de Thierry Villon, mais on a eu pendant longtemps l'équipe de France de tennis de table, avec entre autres ce crétin qui venait là s'entraîner régulièrement. On a eu tous les sauteurs à la perche de l'époque étaient là, passaient leurs vacances, passaient un peu leurs vacances ici, quoi, parce que c'était resté assez familial avec la famille Paquet. Et puis, c'est collé là-dessus, ce que je disais, c'est les tournois internationaux cadets. Qui ont fait venir à l'époque des gens qu'après tout le monde a connu à travers entre autres des gens qui sont venus là. Et... Nous voici dans le parc des Jardins de l'Anjou, au milieu des bungalows qui reçoivent les touristes qui décident de rester dormir plusieurs jours à la Pommeraye. Alors revenons sur les touristes justement, qui sont-ils, d'où viennent-ils? Que viennent-ils visiter? Ce sont les questions que nous avons posées au personnel des Jardins de l'Anjou. Enquête. Alors, les Jardins de l'Anjou est une structure privée, co-gérée avec mon époux Freddy Brémeau. Nous sommes donc ici depuis 15 ans. Et c'est un complexe hôtelier, restauration privée. Donc il y a 17 salles de réunion, dont la grande salle où a lieu la foire expo de 1100 m² et 17 autres salles de réunion. On dispose aussi de 47 cottages qui sont en cours de rénovation et de 51 chambres d'hôtel. Alors, la vocation des Jardins de l'Anjou est bien entendu d'accueillir le maximum de clients. La force des infrastructures des Jardins de l'Anjou et qu'on peut accueillir différents types de clients, alors aussi bien des clients sportifs, du fait des infrastructures de la commune et des nôtres, des séminaires, le fait qu'on ait 17 salles de réunion tout équipées, des groupes touristiques, du fait qu'on ait quand même plusieurs musées, vignes et la Loire autour des Jardins de l'Anjou, et aussi tout ce qui est clients individuels, aussi bien pour tout ce qui est banqueting ou personnes qui viennent en vacances dans la région. Donc on reçoit des séminaires, des congrès, groupes touristiques, de l'individuel aussi. Donc là, on développe la partie individuelle, surtout sur les coffrets cadeaux. Donc, du coup, on a plusieurs partenaires et du coup, ça permet de développer l'activité aussi sur la partie individuelle. Grâce au bord de Loire, la ville d'Angers et tous ces sites touristiques à proximité. C'est de plus en plus un tourisme, on va dire, qui nous arrive avec des groupes, nous, sur le village, groupes de seniors qui viennent de plus en plus, également groupes sportifs, nous, familial également, bon, plus l'été, mais on a des familles maintenant qui commencent à arriver un petit peu à toutes les périodes, puisqu'on est ouvert sur l'année entière, hein, donc, avec une partie séminaire également. Donc, on a une grande majorité, ce sont quand même des sportifs, que nous accueillons grâce à nos installations sportives où nous sommes en ce moment, justement pour cette interview, donc avec cette grande salle, ce grand complexe sportif et tout ce que la Pommeraye a autour aussi, avec le stade de foot, la piste d'athlétisme, la piscine extérieure, les terrains de tennis et plus tout ce que nous on possède, ce complexe. On a une piscine couverte chauffée, on a un sauna, les tables de ping-pong, enfin, il y a énormément de choses. Donc, on a quand même une grande partie qui viennent pour ça. Mais on commence à avoir de plus en plus de groupes de seniors qui viennent ici donc pour les randonnées, donc que ce soit pédestre ou cyclo. Et en fait, surtout même pédestre, puisque en fait, on s'aperçoit que plus on vieillit, entre guillemets, et plus on a besoin de randonnées, on va dire, semi-plates. On n'est pas dans les Vosges ici ou autre, et donc c'est ce qui plaît de plus en plus. Si on voyage un peu, si on a un peu de relations extérieures, on se rend compte que quand même, il y a beaucoup de gens qui sont venus à la Pommeraye. Je suis trouvé dans des séminaires, dans des réunions de syndicalistes, de retraités, d'anciens sapeurs-pompiers, d'un certain nombre d'organisations comme ça, où les gens ont passé une journée, ont passé une semaine en vacances ici. Je parlais tout à l'heure des randonnées, maintenant les clubs de randonnée
viennent faire des randos ici, sachant qu'on a un club et qu'on a une ou deux personnes qui sont à disposition pour leur faire découvrir un peu nos sentiers. On essaie de travailler le tourisme, mais c'est vrai que les gens ne connaissent pas cette structure qu'on a. Bien, alors déjà, je pense que grâce au fusionnage, entre guillemets, on va dire, entre la Pommeraye et Montjean-sur-Loire, eh bien, on se retrouve que les gens, en fait, sont très attirés par des lieux tout proches, en fait. Ils ne vont pas chercher des lieux qui sont à 1 heure ou 2 heures de chez nous, mais, par exemple, sont attirés par le musée des métiers de Saint-Laurent-de-la-Plaine, le château de Séran, on a également la Ligeria dans Montjean-sur-Loire, on a le moulin de l'Épinay, qui est encore en activité, qui est pas loin, Cap-Loire, et pour pousser un tout petit peu plus loin, Terra Botanica, et la ville d'Angers avec son célèbre château. Voilà. Ce sont surtout sur tous ces points-là que les groupes actuellement nous demandent à visiter. Le paradoxe au milieu de tout cela, c'est l'absence forte des habitants de la Pommeraye au milieu de ce panel de clients. Alors que les offres sont variées pour les touristes se rendant sur place, les habitants les plus proches sont aux abonnés absents. Les Pommerayens ne connaissent pas les jardins de l'Anjou. Pour moi, quand on dit « vous travaillez où ?», c'est « jardin de l'Anjou ». Ah bon, bah c'est quoi « village vacances » Et les gens, ils s'arrêtent sur le mot « village vacances ». Ils croient que c'est, enfin pour moi, ils croient que c'est ouvert que aux vacanciers de l'extérieur, alors que on effectue des banquets, mariages, communions, baptêmes, tout ça. Les gens, ils ne connaissent pas vraiment ce que l'on propose. On essaye de se faire connaître de plus en plus en fait des personnes qui sont autour de la Pommeraye, puisqu'en fait on s'aperçoit que c'est eux qui nous connaissent le moins entre guillemets, qui savent qu'on existe, mais qui ne savent pas forcément tout ce que l'on fait. Donc toute notre partie restauration, qu'on peut venir manger sur place tous les jours comme on veut, comme un vrai restaurant, cette partie traiteur aussi qu'on propose soit sur place pour les banquets mariages, soit où on peut également se déplacer sur le site de leur choix. Bah, l'idée, c'est que depuis 15 ans que nous exploitons les jardins de l'Anjou, on se rend compte que les gens qui sont juste à côté ont une mauvaise idée de ce qu'est les jardins de l'Anjou. Ils ont l'impression que les jardins de l'Anjou n'est uniquement ouvert qu'aux gens de l'extérieur. Or, il est tout à fait possible d'accueillir au sein des jardins de l'Anjou des gens juste à côté, juste pour un repas de baptême, un mariage ou pour un séminaire pour les entreprises autour. On a vu une étude qui est très très vieille, qui est une étude d'il y a environ 45 ans, où on disait que les gens de la Pommeraye étaient des gens besogneux. C'est-à-dire que l'important pour les gens de la Pommeraye, c'était de travailler. Donc l'image qu'ils véhiculaient leur importait peu. Fallait que l'entreprise... ils avaient des entreprises et ils les faisaient tourner. Et c'était l'image qui ressortait de cette étude-là. Et je dirais qu'elle est toujours un peu vraie, parce qu'on a des très belles entreprises. À la fois, on peut dire que on n'est pas très connu au niveau touristique, mais si je m'en réfère aux ventes de terrain que l'on a depuis un an, eh bien, on doit commencer à être connu. Bon, on a fait quelque chose, on a travaillé avec à quelques-uns pour faire cette fameuse plaquette, pour faire connaître la Pommeraye lors de salons. Pour que les gens découvrent qu'à 20 minutes de la porte d'Angers, on a des terrains pas chers, qu'on a des équipements, qu'on a des docteurs, un gros cabinet médical, qu'on a des psys, qu'on a des ostéos, qu'on a un certain nombre de services ici. Je pense qu'on a un déficit d'image, mais ça, c'est à nous de le travailler, quoi. Par exemple, dès cet été, là, sur l'été, on va mettre en place... tous les lundis soirs, il va y avoir un grand marché artisanal sur les jardins de l'Anjou qui sera ouvert à tous les habitants de toutes les villes environnantes, hein, pas seulement aux gens qui sont sur les jardins de l'Anjou, avec des producteurs locaux et des artisans locaux. Donc, c'est-à-dire, il y aura Hélène Berthaud pour le miel, on aura la safranerie de Chantossé, il y aura le jus de pomme avec de l'aunay, le château de Puty pour les vins, il y aura également pour tout ce qui est mode elle et lui de la Pommeraye, justement, Virginie Quévaux, il va y avoir les porcelaines de Lignes qui est à la Poissonnière, enfin, énormément, énormément de monde, puisqu'on a déjà une douzaine d'exposants. Mais alors, quelle stratégie adopter pour montrer sa présence au public ?
Pourquoi pas s'allier avec la commune pour pouvoir accompagner la réception de grands événements à travers l'année, ou favoriser l'élaboration du plus grand événement commercial de la Pommeraye. Oui, vous avez bien compris, je vous parle de la salle des Jardins de l'Anjou. Cette immense salle de 1100 m² accueille les événements sportifs ou culturels de grande envergure au sein de notre commune. Et ce serait un tort de ne pas revenir sur la Foire Exposition qui est l'exemple le plus probant de ce partenariat. Alors, l'importance de la grande salle nous permet entre autres d'accueillir des gros séminaires pour réaliser des congrès, des assemblées, mais aussi nous permettre d'accueillir des événements sportifs ou aussi des banquets pour tout ce qui est association locale. C'est un atout pour notre établissement qui n'est pas négligeable. On s'est rendu compte que on a besoin les uns des autres. S'ils veulent faire vivre leur structure, ils ont souvent besoin d'un coup de main, parce que d'abord, il leur faut le stade, il faut tout ça. Ils organisent des manifestations plus importantes où ils vont nous demander des parkings, où ils vont nous demander des canivelles, enfin, où ils ont besoin de nous. Et puis, à contrario, nous, on organise des trucs un peu exceptionnel aussi. Ça, on ne peut pas le faire si eux, ils ne donnent pas leur coup de main. Et l'élément pour moi le plus important, eh bien, c'est donc la Foire Expo, où cette mise à disposition de la salle permet, par tous les temps que cette fête existe et qu'elle perdure, et on a pu s'en rendre compte encore cette année, que alors que dans les d'autres communes nous faisaient savoir qu'ils avaient de la misère à faire vivre tout ça parce que des fois le temps est pas bon et tout, et bien qu'on arrive toujours à avoir ces 5000 visiteurs d'une façon régulière qui viennent faire leur tour ici. Et ce que je sais, indépendamment de chiffres, je dirais, réels, c'est que cette année encore, les exposants étaient heureux de ce qui s'était passé pendant cette période-là. La plupart ne vendent pas, à part quelques-uns qui vendent ce jour-là, mais d'autres ont eu quand même des touches. Parce que bon, les gens passent, ils se créent des discussions, et je pense que pour le commerce local, cette salle-là est quelque chose d'important. Voilà. Alors, qu'en est-il vraiment? Y a-t-il un tourisme spécifique à la Pommeraye? Souvenez-vous, en début d'épisode, je vous disais que ce n'était pas le cas. J'avais tort. La réalité semble bien avoir un visage différent pour la Pommeraye. Car à défaut de posséder un tourisme lié à la Loire, comme ici, à Montjean, nous avons un pôle touristique sous-estimé. Les touristes qui viennent au Jardin de l'Anjou pour les offres qui leur sont proposées sont la preuve même qu'une voie proche de chez nous est offerte pour profiter de toutes les possibilités de notre région. C'est en ce fait que se trouve la notion de tourisme à la Pommeraye. Ni plus, ni moins. Comme nous l'avons dit dans le reportage, les gens de la Pommeraye connaissent mal les offres des Jardins de l'Anjou, que ce soit en termes de location de salles ou des activités touristiques proposées. Faire progresser le tourisme local, ce serait aussi se donner la peine de s'intéresser à ce qui se passe simplement autour de chez soi. Se donner le temps pour sortir et découvrir les merveilles environnantes. Merci de nous avoir suivis.